Wesh! Wesh! C'est quoi ce retour de merde? Comment il va? Oh my god! Oh! Oh, il a lancé le live! Enfin! Comment il va? Il va rester même pas 10 minutes, le bâtard! Désolé de travailler. Bah ouais, mais c'est toi aussi, t'as des horaires de bâtard. T'es relou. Putain. Soit des horaires d'enculé, nous. Non. On n'est pas tous entêtés. J'étais pas entêté, j'étais au bureau aujourd'hui. J'étais au bureau, juste j'ai fini à 16h au calme, tu coco. Bon. Nous sur ce jeu, quand même. Oh, le fond vert. Oh, le fond vert, il part en couille. Alors, toujours ce petit problème de capture. C'est pas grave, on est des machines. Hop, boum. C'est parti, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Avec mon chien violet là. On a une armure de Rathalos, putain! Et ça fait plaisir. La première fois que tu vois un live en week-end, quoi. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, paye ta race. Bon! J'ai joué un peu hors live. Puis les armures. Putain, de fond vert. Attends. Hop, c'est bon. Je suis une machine. Ok, let's go. Il est quelle heure? 50. Vas-y, faut que je commence un truc avant que tu te barres. On va se faire quoi? On va tuer un Akarkuga. T'es chaud pour toi, un Akarkuga? J'ai 5 minutes. Ok. Let's go buter un Akarkuga. Vas-y, c'est parti. On change d'équipement. On prend le set de base. Hop. Pareil pour les chiens. Hop. Tac. Prends un truc à manger. On voit tout ce que tu as, c'est parti. On va prendre un truc à manger. Tu veux un truc cute? Regarde. Avec ton truc, comment ils sont cute, moi. Téma, comment ils dansent. Mais quelle vitesse! Bah oui, mon Tendril! Comment il va? Le plus beau de tous sur le chat, exactement. Le plus beau, le plus doux. Celui qui sent le plus bon. Putain. Et bah, comment on mange les boulettes? On boit le thé. Ah! Timère! Oumai! Heureux de voir la cinématique. Ok, tu veux une autre cinématique? Oh, regarde bien, voici une autre cinématique. Un nouveau monstre dans l'arène. Attends, je sais même pas quel type de monstre je vais affronter là. J'ai pris l'eau, putain, bah tu m'étonnes. T'as pris l'eau tout l'après-midi ou tranquille? Ah mais je le connais, le Nakaragua, je l'ai fait dans World, il est horrible. L'ombre maudissante, le Nakarkuga, Nakaragua. Nakaragua, c'est parti. J'ai réussi à la dodge pour une fois la pluie. Pour une fois qu'il y a un truc que t'as réussi à dodge. Tu vas te casser contre ça? Exactement. Là, je vais aller lui fumer sa gueule. Là, je vais aller lui fumer sa gueule. Comme personne ne l'a jamais fumé. Mais je me rappelle déjà dans le world, j'en avais chié contre lui. Parce qu'il est horrible, il est hyper rapide. Et moi avec mon arme, je suis hyper lent. Fils de ta mère, là, je me dis femme. Espèce de fils de femme de peu d'étapes. Bon, il y a une probabilité que je me fasse enfumer la gueule, là, quand même. Alors, il est où, Nagarkugal? Nicaragua, t'es où? Salut, mon copain. Ça va, mon pote? Ta gueule. Moi je te défonce. Ça marche.
C'est plus gros que dans le world. Ok, c'est parti. Je suis sûr que ça peut te démolir la queue. Ninja. Putain, le bâtard. Ça, ça se fait pas, bonhomme. Merde, j'ai plus de libellule. Ça, c'est méchant, ça. Ta gueule. Ça, j'aime pas trop, ça. Ah, il envoie des kunai. Mon chien violet là. Ok, let's go. Tu tapes toujours du 20. Ouais ouais, bah les dégâts sont pas ouf, hein. Tu fais pas, c'est pas un MMO où tu fais des dégâts de fils de pute, hein. Et puis en plus j'ai une épée basique, on va dire. Dans le sens où là c'est vraiment mon. Vu que je connais pas les faiblesses du monstre, c'est vraiment mon set de base. Genre c'est un set random. C'est un set random qui fait pas. Fait des bons dégâts mais qui est pas non plus de ouf, tu vois. Je connais pas les résistances et les faiblesses du monstre encore vu que c'est la première fois que je le défonce. Bon bah mauvaise foi. Mais en soi ça va. Non je fais des bons dégâts. Nicaragua, t'es parti où? T'es parti par là. Déjà tu vois il a fui parce qu'il a eu peur. Merde. Des kunai, même pas. Ok, avec du samouraï. T'as le seum, bâtard. En plus, là, je sais pas. J'arrive à le renverser. Bon, moi j'y vais. Bon courage, mon reste. Peut-être à tout, toi. Merci d'être passé en tout cas. Hop là. Ah oui, mon Tendril, pour ton information, mon chien est très bien. Ok, let's go. Il a l'air chaud quand même le mob. En vrai ça va. C'est juste qu'il est rapide en fait. Mais on a connu plus compliqué. Les plus chiants pour moi c'est les mobs avec du poison. Les mobs qui font du poison ils sont horribles. Je sais pas si je peux te couper la queue.
Ok, il va faire quoi? Par contre, lui, du coup, je sais pas quel type de set il va me donner. J'espère qu'il va me donner un set basique, parce que... on a un peu ras le cul d'avoir mon truc de Kuluyaku, là. Ok, il appuie. Je sais pas quel type de set lui il peut donner. Parce que je sais juste qu'il est hyper vif, hyper rapide. Mais je vois pas trop ce qu'il peut apporter. Attends, il y a le Rathalos qui arrive là. Ah oui, il y a grave le Rathalos qui est en train d'arriver. Ok, garde de territoire, c'est parti, battez-vous. Ok, let's go. Free loot. Bah, free loot, vite fait, parce qu'il va lâcher des trucs. Mais c'est surtout free dégâts en fait. Hein. Bah voilà. Par contre, ce qui me casse les couilles, c'est si le Rathalos il reste dans le coin. Enfin, ça va, il se barre. Mais ouais, free loot. Alors, on a un Crow de Nakarkuga. Un Rasoir Nakaragua. Et encore un Crow. On va l'appeler Nakaragua en vrai. Et je sais pas du tout quel type de set lui va pouvoir nous donner. Mais il a pris tarif, hein, le Rathalos, il l'a détruit. Le Rathalos, il l'a défoncé. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné de beau? De la peau, des écailles, une piqueuse, encore de la peau, un autre rasoir et un croc, et une écaille. Ok. Et tu dois pas l'affronter, le Rathalos? Je l'ai déjà affronté. Le Rathalos, je l'ai déjà affronté, et je l'ai farmé. C'était le live de vendredi dernier, je crois. Je l'ai affronté, je l'ai farmé et j'ai toute son armure. Le Rathalos, c'est mon monstre préféré dans Monster Hunter. Son armure, c'est l'armure que je préfère. Et c'est une bonne armure de feu avec des bons dégâts. Et du coup, j'ai l'arme du Rathalos. Non, il n'y a pas d'arme. J'ai juste l'armure du Rathalos, du coup. Donc je l'ai défoncé, je l'ai farmé et maintenant j'ai tout ce qu'il vaut pour lui, quoi. Mais on va le revoir souvent. C'est un ennemi iconique. Alors, Nakaragua... Ah, Nakaragua, qu'est-ce qu'il fait? Une arme classique. Qui serait peut-être mieux que mon Kuluyaku. Parce que là, je fais du 130 et du 15 d'affinité. Alors qu'avec lui, je ferais du 120 avec du 30 d'affinité. En vrai, c'est pas mal. En plus, j'ai attaque plus 6, affinité plus 4. Augmente les dégâts infligés en chevauchant et augmente le temps pour chevaucher. En vrai, ça peut être pas mal, ça. Bah, on va le farmer, le Nakaragua. On va le farmer. Alors, qu'est-ce qu'il aime pas? Il aime pas explosion et fléau foudre. C'est parfait. Il aime pas l'explosion et le fléau foudre. Les débis. Et j'ai besoin de quoi? D'autres rasoirs et de piqueux. Alors... du rasoir et des piqueurs. Piqueurs récompense capture, récompense cible, dépeçage. Ok. Ok, ouais, faut que je lui défonce la gueule, quoi. Ok.
Est-ce qu'il nous propose une armure, le Nicaraguain? Le Ratalos, j'ai tout. Alors, Nicaraguain, il me propose une armure. L'armure est stylée, en vrai, du Nicaragua. Ah, elle a une bonne tête. Mais les stats sont pas folles. Prolonge la durée d'invincibilité en cas d'évasion. Ouais, c'est pour fuir, quoi. C'est une armure de fuite, quoi. Donc, les stats sont pas folles. Et pour vous, les petits, le Nicaragua, il fait quoi? Ça serait une bonne armure basique ou pas? Ouais, t'as trop de dégâts de foudre. De votre armure basique, c'est quoi, vous, déjà? Votre armure basique, c'est le Bichaten. Tu fais 28 de défense. Et t'as des résistances partout, sauf à la glace et au feu. Ah là, tu fais 38, quand même, hein. Et là, on aurait quoi? 85 et 20? Ouais, 105 et moins 10, mais non, non, je vais garder ça. Non, je vais juste pour l'arme, l'affronter en vrai. Je vais juste le réaffronter pour essayer de choper l'arme. Et donc, on a dit fléau explosion. Hop. Pareil pour vous, on va vous changer. Fléau explosion. Hop. Oh my. Ok. C'est quoi l'autre monstre qu'il y a? Ah, c'est le Toby Kadeshi. Okay. Mais attends, ils vont déjà déclencher une guerre des territoires, les deux, là? Non. Ils se rapprochent pas mal, quand même, sur la minimap. Hein. Faut que je pense à racheter des potions quand je serai au village. Salut. Ok, tape-moi si tu veux. Merde, putain, mais il bouille. Tiens. Ah, t'as le seum là. Il s'enfuit. Ça va, il va jamais très loin. Attends, il y a des os là. Lagasi.
On a de la chance parce qu'il va jamais vraiment très loin, mais on l'a bien défoncé là. Taraso. Ok, c'est parti. Oh le bâtard. Défonce moi. Je vais pas revenir le Rathalos. J'avoue que ça serait plus rapide s'il revenait. Mais là il est pas dans la map là. Mais j'ai pas besoin du Rathalos. Il est bien défoncé. Ok, let's go. Alors, rasoir. Il me fallait quoi? Des crocs, je crois, du coup, et des lamelles, là, je sais pas quoi. Ok. Bon, on l'a bien défoncé, ce bâtard. Alors, croise les doigts pour essayer d'avoir chopé ce qu'on a besoin pour faire l'arme. On n'est pas obligé de se retaper le monstre une troisième fois. De la peau, des crocs, des écailles, de la moelle. On bat un peu les couilles. Du rasoir. Je crois qu'on n'a pas ce qu'il nous faut. Hein. Je crois qu'on n'a pas ce qu'il nous faut malheureusement. Ah, les mi-orcenaires sont revenus. Non, il nous faut toujours les piqueux. Il nous faut toujours les piqueux. Bah, on va se les refaire une troisième fois, malheureusement, pas le choix. Qu'est-ce que vous avez de beau, vous? Bah, allez me récupérer des plantes. Ensuite, il y a toi qui est revenu avec ton bateau là. Du coup, toi tu vas aller me chercher du miel, s'il te plaît.
ses membres. Hop, putain. Ok. Et bah toi, on va reprendre la quête, hein. On va essayer de se faire l'épée, hein. Oumai ! En fait, il nous faut juste le lapido, là, je sais pas quoi, là. Mais j'ai toujours pas racheté de potion. Ça va, mon copain? C'est vrai que t'as la peau dure, toi. Pardon? Étourdi. Merci. Ça commence à me saouler par contre, la bonne. Tu peux arrêter de me geler, s'il te plaît. Ok. Ah, bâtard. Ça les enfoirés. Vas-y, on passe.
Ok. Voilà. On attend, on croise les doigts pour avoir le fameux truc qu'on a besoin. GG, hiver au Tendril. Une écaille. Mais moi je veux un lapideux, moi. Pour l'instant, on l'a pas. C'est vrai qu'il est moche ce chien. Il est très bien, mon chien. Bande de rageux. Vous êtes qu'une bande d'haineux. Vous avez la haine en vous. Mon chien est très bien. Bande de bâtards. Utera. Il est blond, mais non, mais c'est son armure. Ok, je choupé la queue. De la moelle. Du rasoir, des crocs. Et de la peau. Toujours pas tombé, hein. Il est toujours pas tombé. M'en fous, et j'en ai besoin. J'en ai besoin, ces maquettes. J'en ai besoin pour avoir une épée de toute catégorie. J'ai pas le choix. Bye! On voit pas trop le violet, je me sens apaisé. Et encore, je crois que le prochain monstre qu'on va affronter, c'est un monstre de glace. Du coup, tu vas le voir avec sa nouvelle armure de glace. Parce que là, pour l'instant, mes mobs, là, du coup, enfin mes mobs, mes pets, ils ont leur armure tout, tu vois. Leur armure tout va, quoi. Leur armure à tout faire. Pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé de meilleure armure à tout faire pour le moment. Mais là, je pense avec les monstres 5 étoiles, je vais pas tarder à en trouver une autre. Là. Salut! Imagine, je le défonce avant même qu'il se sauverait.
pas loin à chaque fois, j'ai de la chance. Là, je vais le défoncer rapidement, là. Sérieusement, il s'est pas monté le mur. Voilà. Allez, un lapideux là, s'il te plaît. Il vient de le faire 4 fois là. Salut Kobe. Au revoir. Utera. Meyoda, la quiche. Allez s'il te plaît que je passe pas 3 ans sur ce putain de Nicaragua. Rasoir. Rasoir. Rasoir, putain. Ah, piqueux, c'est bon. Enfin, normalement je peux me faire l'épée. Normalement je peux me faire l'épée. Ouais, c'est bon. Ok, du coup avant, il faut que je me fasse ça. Que je l'améliore. Que je l'améliore. Ouais, bah prends du minerai. Hein. Et là, je peux la faire en Nicaragua. Parce que sinon, celle-là, elle fait que 140. Alors que là, je peux la faire. Ça, c'est des vrais couteaux. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Et bien sûr que je l'explique. Que je l'équipe. Et maintenant, je peux te vendre, du coup. Maintenant, je peux te vendre celle-là. Le Kuluyaku, je peux te la vendre. Hop. Comme ça, j'ai l'épée du Nicaragua. Par contre, il faut que je refasse tous mes sets d'équipement. Ça fait chier. Enregistrer 7, c'est que ce soit remplacé. Oui.
Du coup, là, faut que je m'équipe de tous ces Tratalos. Là, c'est le set Kadashi. Là, c'est le set Tetranadon. Et là, c'est le set Barrios. Voilà. Alors, prochain monstre. Le Zinogre. Alors, vu sa gueule, un éclair de génie. Ouais, c'est un monstre foudre. C'est un monstre de foudre. Alors, on va mettre le set foudre. Par contre, je sais absolument pas. Ça se voit que c'est un monstre de foudre, mais je sais absolument pas ses faiblesses. Donc là, tu vois l'intégralité de mon équipe équipée avec un set anti-foudre. Ils sont pas mignons avec leur set anti-foudre. Ils sont pas trop choupis. Allez, allons affronter le Zinogre, qui je pense va devenir mon nouveau set anti-foudre. Le seigneur de la foudre, il est un peu badass, hein. Bon, ça vaut pas le Kirin, mais bon, le Kirin, c'est une licorne. Mais il est un peu badass, hein. J'accepte ce que tu équipes. Ah bah, du moment qu'on voit pas trop le violet, toi, ça te va, hein. Du coup, il est là-bas. Mais il est un peu badass, hein. Je pense que ça va devenir mon nouveau set anti-foudre. Je le voyais pas si gros. Ah, t'as l'air rapide, hein. T'as l'air gros mais rapide, hein. Waouh. Il est trop beau, de ouf. Il est beau de ouf, hein. Et il fait bien mal aussi. Et il fait bien bien mal. Waouh. Il m'a one shot. Il m'a one shot. Ah ouais. Ah lui il rigole plus là. C'est quel est. Ah lui il rigole plus du tout là. Ah ouais, ouais il m'a one shot. J'étais mid life, hein. Ah, il rigole zéro le Zinogre. Ok.
Je connais pas trop ses mouvements encore. T'as intérêt à être mobile, hein. Ok, il s'enfuit. Et ton chien, il prend vénère. Ah, mais ils prennent tous vénère, là. Ok, il est parti en guerre de territoire. Ça nous arrange, ça. Je vais en profiter pour me stuff un peu. Vas-y, battez-vous. Ok, let's go. Je vais le défoncer. On va prendre le Pookie Pookie, on va l'empoisonner en plus, c'est parfait. Empoisonné, ça va être parfait ça. Même pas. J'ai pas encore monté mon épée dans le rouge, hein. C'est horrible. Je vais remourir. Ah d'accord, il attaque fort au début et après une fois que c'est fini...
compliqué ce combat. Il a pas fait tomber du loot quelque part là, non, c'est bon. Putain. Carapace élite. Et des griffes. Il fait bien mal, hein, ce petit Zinogre. En fait, il tape méga fort et méga vite au début. Et une fois que t'as passé sa deuxième phase, il devient beaucoup plus lent, quoi. Il te met très cher dès le départ. Et après, il ralentit. Bon, bah, on va voir le set qu'il donne, hein. Le set et l'arme. Alors, on a gagné quoi? Carapace Zinogre, Carapace Élite, j'imagine. Une queue Zinogre, parfait. Fulgure insecte, Carapace, une plaque Zinogre. Ça, c'est pour la tête, ça, c'est hyper rare. Je suis grave châteux de l'avoir récupéré maintenant. De la dragonite. Des cornes et des griffes. Et re-des griffes. En vrai, là, j'ai châté de ouf sur le loot. Hein. Là, en vrai, j'ai châté de ouf sur le loot. Si l'armure me convient... Qui veut me parler? Toi, tu veux juste me dire merci, toi. Ouais. Merci. Alors déjà, Zinogre. Il y a une arme Zinogre. 120 d'attaque et 16 de dégâts de foudre. Elle fait combien mon épée de foudre, moi? Elle fait 100 et 19. Et celle-là, 120 et 16. Ah, en vrai, si, il me la faut. Mais c'est pas la priorité. Alors que l'armure... Là, actuellement, mon armure... Elle me fait 20 d'armure et 3 à la foudre. Le Zinogre, il me fait 28 d'armure, 4 à la foudre, 1 au dragon. Je suis juste pas fort avec la glace. Et après, ça va. Et en vrai, elle est cool. Il me faut juste une corne en plus. Et normalement, on est bon. Et les talents. Augmente temporairement l'affinité et réduit la perte d'endurance. Ok. Et augmente l'affinité. Ouais, ça augmente juste l'affinité, quoi, du coup. Bah, il me la faut. Donc, let's go se retaper le Zinogre. Et toi, c'est le fléau explosion qui te met mal. Et bah, let's go. On va te faire des dégâts d'explosion, c'est pas un problème. Let's
let's go. Hein. On va se le défoncer. Hein. Une nouvelle fois. On va prendre plus de tarifs cette fois-ci encore. Ça devrait le faire. Alors, t'es où, mon pote? T'es pile en face. Et si tout se passe bien, on va même pouvoir se taper une guerre de territoire avec le Puki Puki. Ok, je me hub vite fait. Et c'est parti. Je vais directement t'éblouir. Ah, j'ai plus de vie. Il te faut quoi, le seigneur de la foudre? Du coup, je me suis absenté. J'espère pas te faire répéter. Ah non, non, t'inquiète, t'inquiète. En gros, une armure pas mal. Je gagne plus d'armure de base et je gagne plus de résistance à la foudre. Et elle est pas mal, du coup, l'armure. Donc en vrai, is ok. C'est pour ça que je le refais là, du coup. Et en plus de ça, l'arme qu'il me propose avec lui est pas trop mal aussi. Je fais plus de dégâts de tranchant, un tout petit peu moins de dégâts de foudre, mais en soi, le combo reste ok. Donc en vrai, il me la faut. Il faut que je le prenne. C'est mon nouveau set foudre, c'est le. Mon nouveau set de foudre, c'est le Zinok. C'est pour ça que là, je suis reparti le défoncer. Et en vrai, j'ai sur le combat de tout à l'heure, j'ai chaté deux hooks sur les loots. Parce que là, à mon avis, il me reste pas grand chose là du coup pour avoir de quoi crafter l'armure. Bébé. Tant qu'il est en 7 de foot, là je vais galérer.
Ok, il s'enfuit. Je crois qu'il faut juste que je récupère une corne et j'aurai ce qu'il faut du coup pour le défoncer. Oh, le bâtard. Quand il est comme ça, je vais galérer. Allez, rigole, zéro. Hein. Oh oui, yes. Ah, ça, c'est du cadeau, ça. Yes. Bon, on va espérer choper une corne. Pour l'instant, on a que des griffes. On va croiser les doigts. Tiens.
Kura, utera. Carapace, corne, yes. Normalement c'est ok. Ah putain, il me manque encore des carapaces. Ah, fais chier. M'en manque 3. M'en manque 5. 5 carapaces, il me faut. Merde. Et pour l'épée, bah, pour l'épée, il m'en manque beaucoup. L'épée, c'est pas important encore. Mais là, il manque des carapaces. Bah, let's go, on y retourne. Hein. Let's go, on y retourne. Hein. Je vais juste refaire le plein de potions. Puis let's go se refaire. Il me faut 5 carapaces. Putain, la vache. C'est énorme. Déjà, on a une carapace. On faut plus que 4. Le boug. Oh, ça se bat! C'est la bagarre entre les monstres. Peut-être que j'ai moyen de l'empoisonner.
Bon phare, mon Wayne, j'ai pas que pour ce soir, à bientôt. Merci, mon Tendril, merci d'être passé. Et hydrate-toi, c'est important, bordel de merde. Ah, le bâtard. Alors, par contre, j'ai récupéré pas mal de trucs. Une peau, et une autre peau. Alors, c'est pas ouf. J'aurais préféré des cornes, enfin des carapaces. Et ça fait le taf. Mais c'est qu'il est parti se répéter contre le... Ah non, pas du tout. Il va se transformer, j'ai pas le choix. Il va se transformer, le bâtard. Mais il va rencontrer... Non, il s'en bat les couilles du Poké Poké. Ouais, on en a rien à foutre, il est juste parti, quoi. Il est juste parti se réfugier là-bas. Dormir ou c'est comment? Hop là. Ah,
passe. Normalement, ça m'en fait deux. Et je peux en avoir trois. Normalement, je suis bon. Il faudrait que j'en ai trois, là, du coup, dans les loups qui tombent, là. Et normalement, je suis bon. Je peux en choper 3 dans les 12 qui tombent, je suis content. Donc ça fait 3. 4. Oh putain, j'en ai que 4. Oh, comment j'espère que j'ai mal compté. Une requête complétée, ah bon? Bah qui? Ah! Cool, j'ai débloqué un nouveau sous-marin. Bah parfait. Je vais recruter un nouveau chat du coup. Mephisto. Et Mephisto. Hop. Pourquoi je peux pas? Toi, tu vas y aller avec un poisson. Ah, j'en ai que 4, fais chier. Et bon, on va encore se le voir sur le tapé, encore une fois. Moi, à la fin de ce combat là, du coup, j'ai tout. J'aurais peut-être même de quoi me faire l'épée. Pas sûr. J'aurais peut-être même de quoi me faire l'épée. Ah, t'es vraiment juste devant là. Se récupérer la petite. Voilà. Hop. Petit buff d'attaque. Thank you.
Oh là, putain, mais je vais dedans comme un con aussi. Putain. Allez, debout, mon pote. Ok, let's go. Ah non, parce que normalement il a dû laisser des cadeaux là-bas. Non, il a laissé aucun cadeau? Oh le bâtard. Mais t'as raison, bats-toi contre les Jagras. Une carapace, parfait, on en a plus qu'une. Ah, je vais remourir! Ok.
putain. Bon, faut qu'il sonne la carapace. C'est bon. Je sais pas du tout si je vais avoir assez pour faire l'épée qui va avec, mais... Au moins, du coup, j'ai l'armure complète. Au moins j'ai l'armure complète. Maï. Et j'ai même une plaque en plus, si ça c'est pas beau. Ok. Ah. Les miaourcenaires sont de retour. Est-ce que je peux la faire l'arme du dinogre? Oui. Ok, alors attends. Zinogre. Set d'équipement, ça va être mon set foudre. Du coup, à toi, je peux te vendre. Zinogre, je la garde. Par contre, je peux te vendre celle-là. Et je peux te vendre du coup l'armure du Kadashi. Ensuite, pour vous les copains, alors le dinobre. Alors déjà, le Zinogre, il vous fait 38 d'armure et 4 de résistance à la foudre. Alors que là, 28 et 3. Donc déjà, c'est sûr et certain qu'on prend ça. Et ensuite, là, tu fais 90, 5% et 8. 110, 0%, mais 15. Donc ça part directement sur ça. Soit 38 et 4 et 110 et 15. Ah, par contre, c'est pour vous là, du coup. Non. Ouais, bah laisse tomber. Hein. Ça part sur un vinogre de fou. Alors attends, parce que là je fais que de la merde. Alors, du coup, je peux te vendre. Je peux te vendre le Kadashi.
Pareil pour toi. Hop, et voilà. Ensuite, on va aller s'affronter l'Anjanas, le fameux tyrannosaure. Et bah écoute, du coup, l'Anjanas, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre set de feu. Parce qu'on sait qu'il fait du feu. En gardant le sabre occulte. Pareil pour vous. On va vous mettre votre set de feu. On va manger. Et avant de se lancer dans le combat, on va aller faire une mini pause. Donc allez vous hydrater, on revient dans 5 petites minutes et on va aller s'affronter l'Anjanas, le premier monstre de Monster Hunter World, mais la monstre 5 étoiles dans Monster Hunter Rise, à savoir pourquoi. Hydratez-vous, c'est important, et je vous dis dans 5 minutes. A tout.